Alors ça, c'est un article de Board Panda. Comment faire payer les clients pour le travail sur le design. Et alors, ce qui est intéressant, bon, l'article est intéressant, mais ce qui est intéressant, c'est ceci, en fait, c'est surtout ça. Oui, moi aussi. Là, tu l'avais envoyé sur Quoique cet article n'est pas très long. le groupe. Oui, ça, tu l'avais envoyé sur le groupe. Ah, ben c'est bien si vous vous partagez déjà des choses comme ça. C'est parfait. Donc, la liste des... C'est une blague, évidemment. C'est un poster qui est une blague. C'est pour faire comprendre aux clients que plus il intervient, plus ça crée des problèmes, ça demande du travail, hein, et c'est facturé. Donc, je design tout 100 $. Je design, tu regardes 200 $. Je design, tu donnes ton avis 300 $. Je design, tu aides 500 $. Donc, ça, c'est le prix facturé au client, hein, c'est... Je design, tu aides 800 $. Et ça devient rigolo à la fin. Je design... non, tu design, je donne mon avis 1 300 $. Tu design, je regarde 2 100 $. Tu design tout 3 400 $. Ça, c'est excellent. On rêve de clients qui font tout et on les facture beaucoup comme ça. Mais donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais vous connaissiez déjà alors. Intéressant.